L'armée de l'acte de Tassigny. Au nom de la République française, nous vous conférons la dignité de maréchal de France. Jean-Marie Gabriel de Ladre de Tassigny est né le 2 février 1889 à Mouilleron-en-Parais, village de Vendée. La maison où il voit le jour est simple et charmante. Il y naît coiffé, présage d'une chance exceptionnelle selon la superstition. Voici sa mère, descendante d'une vieille famille vendéenne. Son père, Roger de Ladre de Tassigny. Et lui-même. Son enfance turbulente s'écoulera dans ce pays parsemé de vieux moulins qui rappellent les Flandres, berceau de sa famille. 48 années plus tôt, Mouilleron-en-Parais avait vu naître celui qui devait être le symbole même de la guerre 1914-1918, Georges Clemenceau. Singulière rencontre des destinées, poésie du hasard,
Le même terroir a donné naissance à un demi-siècle d'intervalle au père La Victoire et au général qui signa la capitulation allemande à Berlin. L'atavisme du jeune Delattre, sa nature, ses goûts, tout le voue à la carrière militaire. L'école navale le tente d'abord, mais il choisit Saint-Cyr et opte pour l'arme qui convient à son style d'homme, la cavalerie. Comme l'exige le règlement de l'époque, il est d'abord homme de troupe pendant un an au 29e Dragons. Delattre de Tassigny est lieutenant au 12e Dragons en 1914 quand éclate la guerre. Il y reçoit un baptême du feu foudroyant, sauvage, qui semble préfigurer toute sa vie. Peinte par un brigadier de son régiment, une naïve aquarelle nous conserve le souvenir de son combat avec les Uhlans, où il charge avec une folle audace, poursuit et abat au sabre trois cavaliers allemands. Il est lui-même grièvement blessé. Bien vite, la bataille s'immobilise dans les tranchées. La guerre de position ne laisse que peu d'initiative à la cavalerie. Delattre va au cœur du combat, il devient fantassin. Verdun, le chemin des dames, 5 blessures, 8 citations, 4 années où il se donne avec fougue et Delattre termine la guerre comme capitaine. Il a 29 ans. Dès le retour de la paix, il cherche impatiemment un nouveau terrain d'action. En 1921, l'action c'est le Maroc qu'il rejoint dès septembre et où il restera 5 ans. Cette époque marque l'apogée de la cavalerie. Le panache, le romanesque qui entoure cette arme d'élite, s'accorde merveilleusement à la nature de Delattre. En 1925 éclate la guerre du Rif. Intrépide baroudeur, il vole au front, conquiert une citation. Un jour, à Fès, un fanatique le frappe au visage d'un coup de poignard. Toute sa vie, il gardera une profonde estafilade à la joue gauche. Guéri, il combat avec lui dans la poche de Taza, aux côtés de Bournazel et de Giraud. Il y est blessé au genou en conduisant ses troupes à l'assaut. Le Maroc se pacifie. Un à un, les chefs des tribus font leur soumission. Lyautey. Pendant ces dures et fécondes années, le capitaine Delattre de Tassigny subit sans conteste l'influence du maréchal. Sa conception de l'officier s'élargit, s'humanise. Sa nature du reste est proche de celle de Lyautey. Même vocation de hardiesse, de netteté, d'efficacité, même goût de l'ordre et du faste. On ne subit pleinement l'ascendant que de ceux à qui on ressemble. En 1926, il rentre en France avec 2 blessures nouvelles et 3 citations supplémentaires. Peu après, il est promu au grade de commandant. À l'Île-Dieu, la même année, il rencontre Mademoiselle Calary de la Mazière qui, 6 mois plus tard, devient la compagne de sa vie. À tous les moments de son existence, elle se trouvera à ses côtés, aussi bien au moment des réussites et des triomphes, qu'à ceux, hélas, des séparations cruelles et des douleurs. Le commandant Delattre entre à l'école de guerre et en sort en 1928 major de sa promotion. Le 11 février de la même année naît celui qui sera la joie de sa vie et son meilleur ami, son fils Bernard. Metz. Après une période de 3 ans très féconde passée à l'état-major du général Végan, alors vice-président du Conseil supérieur de la guerre, Delattre est promu colonel. Le contact direct avec la troupe, voilà son élément. Il commande à Metz le 151e régiment d'infanterie, dont il fait un des plus beaux régiments de France. Le 23 mars 1939, à l'âge de 50 ans, le colonel sera promu général, le plus jeune général de France. Le général commence la guerre comme chef d'état-major de la 5e armée, l'armée d'Alsace. Il organise le gardiennage de Strasbourg évacué, où devant l'imminence des combats, toute vie s'est brusquement éteinte. Mais les combats semblent vouloir se dérober. C'est le temps de ce que l'on a nommé
la drôle de guerre, la guerre pourrie. L'armée française s'engourdit dans l'inaction. Delâtre s'aperçoit vite du danger et, avec sa vigueur habituelle, il déclare la guerre à la drôle de guerre. Coûte que coûte, il faut que le soldat reste sur la brèche. Quelle que soit son activité, dût-elle le transformer en vigneron ou en laboureur. L'armée française vit dans une expectative qui risque de devenir accablante et son ennemi principal semble être le froid. Le président de la République rend visite à la 5e armée. Le colonel de Gaulle y professe les théories les plus avancées sur l'emploi des chars dans la guerre moderne. Le général Delâtre de Tassigny fait ses adieux à la 5e armée et au général Bourret. Le 2 janvier 1940, il est affecté au commandement de la 14e division d'infanterie, qui compte dans ses rangs le fameux régiment des Diables Rouges, le 15-2. Delâtre se trouve à la tête d'une division d'élite, un secteur capital en Lorraine, face à la Sarre, entre Sarreguemines et Forbach. On ne se laisse pas endormir à la 14e division. Le secteur Delâtre de Tassigny vit dans une fièvre qu'on aurait peine à retrouver ailleurs. Animateur extraordinaire, grand secoueur de bureau, aimant à séduire et à commander, appliqué, vertigineux, bousculant l'obstacle et bâtissant sans désemparer, nourrissant des dessins nombreux et de longue haleine, plein de hauteur et de gentillesse, tel est le général Delâtre de Tassigny. On s'essouffle à le suivre. Il décide, il galvanise, il ne néglige rien. Ni la patrouille, ni la qualité de la soupe, ni l'emplacement des mitrailleuses, ni le repos et la récréation de ses soldats. <rire> 10 mai 1940. La Hollande, la Belgique, le Luxembourg envahis. Première ville française bombardée. L'armée française en toute hâte se porte au secours de la Belgique. La ruée allemande commence. La guerre totale se déclenche. Fuites et perdus, alerte, exode douloureux des populations avancées, incendies, ruines, destruction. Cet aveugle tâtonnant dans les décombres, le symbole même du cataclysme. Première défaite sur le sol français, armée désemparée, désarçonnée. Contre-attaque désespérée, submergée sous le fer et le feu. La bataille fait rage. La 14e division ne bouge pas d'un pouce. Delâtre n'aura jamais l'âme d'un vaincu. Des bandades commencent autour de lui et il reçoit l'ordre de décrocher et de s'aligner. Solidement planté sur son secteur, Delâtre répond : ne pourrait-on pas demander aux autres de s'aligner sur moi ? Il faut bien décrocher cependant. La 14e DI, sans lâcher ses 2000 prisonniers, recule en ordre, maintenant l'ennemi par des combats retardateurs. Hasta
Aux canons succèdent les canons, aux tanks, les tanks et les avions. Une avalanche d'acier qui étouffe sous elle toute résistance, toute tentative de reprise. C'est un déluge infernal, l'écrasement de l'homme par le matériel. L'armistice signé, Delattre ne cède pas au découragement. À ses soldats, il déclare « Nous avons été battus, mais un jour nous reprendrons la bataille. Je vous donne rendez-vous ce jour-là. » La jeunesse est désormais l'espoir du pays. Pour elle, il crée l'école de cadres d'Obne. En 1942, les Allemands envahissent la zone libre. Delattre, qui commande la région de Montpellier, refuse de les attendre passivement et tente de gagner avec ses troupes les Corbières. Arrêté, accusé de trahison, le tribunal d'État le condamne à 10 ans de prison pour abandon de poste. On n'a pas osé ajouter « devant l'ennemi ». Il l'a échappé belle. Interné à Rion, Delattre se morfond. Les semaines, les mois passent. Les travaux de jardinage l'aident à tuer le temps. La prison est administrée avec rigueur, les détenus bien gardés. Tout est conçu pour décourager les espoirs de liberté. Cependant, dès son entrée dans sa cellule, Delattre n'a qu'une pensée en tête. S'évader. Il y réussira au bout de 8 mois et rien ne manquera au romanesque de cette aventure. Pas même la complicité de Madame Delattre de Tassigny, installée dans un pavillon voisin de la maison d'arrêt, et celle de son fils Bernard, qui, à l'âge de 14 ans, organise l'affaire avec une précoce maîtrise. Le 3 septembre, à 1h du matin, le général installe dans sa cellule 2 tables l'une sur l'autre. 6 barreaux. Il guette le moment propice. Et entre 2 rondes, se laisse glisser le long d'une corde. Dehors, une voiture l'attend. Les secondes passent, angoissantes. Enfin, une échelle de corde se déroule, jetée selon le plan prévu par-dessus le mur d'enceinte. Le général saute dans la voiture qui l'emporte, lui et son fils, au fond d'une retraite cachée où ils demeureront 1 mois. Le 17 octobre, un avion atterrit en pleine campagne, enlève le fugitif, décolle presque aussitôt et pique droit dans la nuit. À Alger commence la grande période de son existence. Il y retrouve le général de Gaulle, qui l'assure de son absolu loyalisme, et le général Giraud. On lui confie le commandement d'une armée de 150 000 hommes, l'armée B, qui couvre toute l'Afrique du Nord. Avant toute chose, le général Delattre, à son habitude, veut donner à son armée une âme, un esprit de communauté. Il fonde une école de cadres à Douéra. C'est là que prendra naissance un idéal où se confondront au sein d'un même corps vétérans des forces françaises libres, combattants des divers territoires d'outre-mer, évadés de France par l'Espagne, européens et indigènes, assemblage d'abord hétéroclite qui plus tard grossit des combattants d'Italie et des FFI, composera la légendaire première armée, l'armée Rhin et Danube. Parlant de cette veillée d'armes sur la terre d'Afrique, le général dira plus tard « C'est une armée magnifique qui s'est forgée car elle associe à la science de ceux qui méritent le titre de grognard l'enthousiasme des volontaires de 1792. Et de suite, l'action. La conquête de l'île d'Elbe sert de répétition générale au grand projet, le débarquement sur les côtes de France. Delattre se donne tout entier à cette première offensive. Les bataillons de choc et les commandos formés en Afrique s'y illustrent et démontrent aux alliés la valeur de la nouvelle armée française. Unités lancées au petit jour dans les criques et sur les plages. Enlèvement des batteries et des escarpements fortifiés par des groupes d'un élan irrésistible, minutieusement entraînés à la technique du combat amphibie.
les troupes prennent pied à Nercio. L'opération surprise est foudroyante. Elle dure exactement 56 heures. Le général allemand fuit et s'échappe en sous-marin. Cette victoire rapide et nette constitue le plus heureux présage et l'expérience la plus concluante. L'île d'Elbe, non chargée d'histoire, et qui éveille tant d'échos dans les cœurs français. Fierté bien naturelle pour le général, la maison de Napoléon, où rôde sans doute l'ombre de l'empereur, est désormais délivrée de l'occupation. Les états-majors alliés s'installent à Naples. De Lattre, après ses succès, possède maintenant des arguments solides pour assumer la direction du débarquement en France. Il s'absorbe avec les généraux Patch, De Gaulle et Juin dans la préparation de cet immense projet. On ne peut certes envisager une délivrance du sol national à laquelle ne participeraient pas les Français, dont la nouvelle armée inspire confiance. Mais si les Français ont la foi et l'enthousiasme, les Américains disposent du matériel. Il faudra toute l'énergie et la diplomatie de Delattre pour faire du débarquement Anvil Dragoon une opération à la française. Bernard Delattre, qui a passé les Pyrénées et rejoint son père, s'engage afin d'y participer. Il a 16 ans. À la veille du grand jour, la nouvelle première armée française est prête. 15 août 1944. L'immense armada en route pour la terre de France. Au milieu des milliers de navires de toutes sortes, avance le SS Bathory, au mât duquel flotte le fanion frappé aux 5 étoiles du général commandant les forces françaises de débarquement. À bord du Bathory, le général Delattre, en chrétien fidèle qu'il a toujours été, assiste à la plus recueillie et la plus émouvante des messes célébrées en mer. Bientôt, l'ennemi se manifeste. Mais ces sous-marins, attaqués à la grenade, ne peuvent empêcher la manœuvre des unités de la flotte. Arrêter le mouvement, l'élan irrésistible. Aux approches du rivage, l'aviation commence à apporter son appui. Une division aéroportée anglo-américaine arrive d'Europe. Avions de transport, planeurs, lancent à l'intérieur des terres fantassins, artilleurs, canons, jeeps, mortiers. Le général suit les premières opérations du débarquement. Récompense de tant d'efforts et d'années d'attente, l'heure vient enfin pour les combattants d'aborder la terre de France. La vigueur des assauts présente tout de suite une extrême intensité, et la progression, dès le début, se trouve en avance sur l'horaire prévu. Cette vitesse, cet allant, reflète le dynamisme personnel du général Delattre de Tassigny. L'esprit d'offensive, de hardiesse qu'il a insufflé à ses seconds et à toutes ses unités joue à plein au moment crucial. Dans cette cadence accélérée des événements, dans ce souffle inépuisable qui soulève le moindre exécutant, il
faut reconnaître son inspiration et sa marque. Se succède maintenant sur la terre ferme, le territoire conquis s'agrandit. Ce n'est bientôt plus une tête de pont, c'est un front, le front sud de la France. Le général Delâtre pressent que les événements se dérouleront à un rythme plus rapide encore qu'il ne l'espérait. Avec audace des circonstances favorables, et bien que son matériel lourd soit seulement en cours de débarquement, il décide sans désemparer de pousser ses troupes. Il installe son PC à Cogolin sur la terre provençale. Toulon est investi. Avant même la réduction complète de Toulon, Delâtre court au plus vite à l'assaut de la région de Marseille. Le général de Montsabert conduit les opérations. Il ne laisse pas à l'ennemi le temps de s'organiser. De Montsabert, le ministre de la guerre, Diethelm, font leur entrée dans la ville. Défile sur le quai du Vieux-Port au milieu des acclamations de la foule. Delâtre de Tassigny ne s'attarde pas dans le sud. Il a les yeux fixés sur le nord où les armées de Normandie viennent de délivrer Paris. Le mouvement qui se met en branle aujourd'hui ne se réduit pas à la simple poursuite d'un ennemi désarçonné. Il amorce, il va poursuivre sans défaillance la marche au Rhin.
général Delâtre lance ses colonnes dans la vallée du Rhône qu'elle remonte. Les blindés du général Duvigier en forment la tête et le bélier. Avant ses pics de 700 km qui prend son départ. Avignon. Le gros matériel du génie n'est pas là, qu'importe. On improvise un pont de bateau sur lequel, sans perdre de temps, on franchit le Rhône. À son tour libéré. Voici donc les trois plus grandes villes de France, maintenant redevenues françaises. Place Bellecour, le général Delâtre passe ses troupes en vue. L'émotion de la population lyonnaise et sa joie répondent à celle de toutes les villes et les villages dépassés depuis Marseille. Sur toute sa route jusqu'à Lyon, la première armée française est entrée en contact avec les éléments des forces françaises de l'intérieur. Ces hommes, à la fierté souvent farouche, ont trouvé auprès du général l'accueil qu'ils méritent. Tout dans l'esprit de Delâtre le porte vers ces combattants téméraires et individualistes. Presque sans appui et les mains nues, ils ont combattu pendant des années, maintenant l'esprit de résistance. Ensuite, par l'audace de leurs actions de guérilla, ils ont efficacement contribué à l'avance des alliés. Ils sont capables d'enrichir encore le nombre et la force morale de la première armée. Elle se trouve prête à les recevoir. Dès l'abord, ces hommes s'y sentiront à l'aise. Ainsi, cet amalgame, cette victoire de l'esprit de synthèse et de fraternité, parachève une des plus authentiques réussites du général, une de celles dont il se montrera le plus fier. Lyon, la grande ruée vers l'Alsace. Sur le chemin de la troupe recrue de fatigue s'échelonnent les étapes de la délivrance. Mâcon, Chalon-sur-Saône, Beaune, Autun, où Bernard Delâtre est grièvement blessé, Lons-le-Saunier, Dijon, autant de noms gravés dans l'âme des combattants qui jalonnent la marche glorieuse jusqu'à la vallée du Doubs, aux portes de Belfort, au seuil de l'Alsace. Kilomètres parcourus en combattant, la jonction effectuée avec les armées de Normandie, la France libérée. Existe-t-il plus magnifique bilan dans les annales militaires? L'objectif maintenant, c'est le Rhin et l'Allemagne. L'armée a atteint les Vosges. Sur les flancs de ces pentes boisées, les éléments FFI récemment amalgamés participent à leurs premiers engagements réguliers. Thank you.
la troupe arrive réellement à l'extrême bout de sa fatigue. De plus, l'hiver, les difficultés de la mauvaise saison contraignent les armées alliées à marquer un temps d'arrêt dans leur progression.